Ouais, salut à tous, c'est Parano, on se retrouve pour ce troisième épisode sur Infamous Second Son. On s'est arrêté, notre vieil ami Delsin venait de faire une petite somme, une petite sieste, je ne sais pas où. Je ne sais pas, d'un coup le temps vient d'avancer. Dans l'épisode précédent, on venait de faire l'acquisition de 2-3 pouvoirs plutôt très sympathiques. On va s'en servir très prochainement, vous inquiétez pas. Pour l'instant, je pense que maintenant je viens de capter que en fait les missions principales c'était cette grosse étoile. Il y avait... Voilà, du coup, on va essayer de les faire. D'accord, donc maintenant on a ça qui est apparu, les tags et tout ça. Donc il fallait un petit peu avancer dans le jeu pour faire tout ça. On va repartir du départ. On va aller chercher les dossiers. On va les se mettre bien. Donc moi j'espère que vous allez bien. Moi ça me fait encore très 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 plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième épisode d'Infamous. Enfin une exclusivité PS4, ça fait vraiment plaisir les oiseaux. Donc je vous rappelle si vous débarquez que je joue, on va dire, j'essaye de jouer un maximum du bon côté. Je vais essayer de d'avoir la fin, on va dire la fin, la bonne fin. Et pour toutes les personnes qui désiraient voir le côté, en fait, le mal incarné par XVSK, je vous inviterai à regarder le let's play que X est en train de faire, où il joue carrément que le côté méchant. Donc je fais le bien, il fait le mal. Donc voilà, on s'est dit pourquoi pas le faire directement, vu que X adore être méchant, vous le connaissez. Il adore, voilà, faire bordel. Il s'est dit, moi j'ai envie de faire le mal. Il m'a dit pourquoi pas, on s'est dit... Fais le bien, comme ça fera deux let's play, on va dire différents, même si ça reste le même let's play. Mais vous aurez une autre fin sur mon let's play à moi. Et du côté méchant, vous aurez aussi une fin différente. Donc je trouvais ça plutôt intéressant. Même si je vais pas vous mentir que je referai le côté méchant. Voilà. Je viens de tuer un civil. Oh putain de. Voilà. Évidemment, je viens de parler, de dire qu'il fallait... Putain, chier quoi. Je peux pas faire... je fais ce que je peux, les gars. Donc, je suis en train de dire que j'allais faire aussi le côté méchant, mais je le ferai en live. Je le ferai en live. Comme ça, je recommencerai tout le jeu en live avec vous. Donc, n'hésitez pas aussi à me follow sur Twitch. Un endroit où je passe énormément de temps. Ouais, c'est qui? Delsinro, tu ne me connais pas, mais je te surveille. Ok, c'est pas flippant du tout. Tu as lancé des rumeurs qui sont remontées jusqu'à Washington sur Augustine et le bien fondé du DUP. Trop cool. Un pas de plus pour qu'Augustine paye enfin pour ce qu'elle a fait. Tout n'est pas si cool. Et moi, je veux t'aider. M'aider à faire quoi exactement? Je peux t'aider à faire tomber le DUP de l'intérieur. Mais il faut que tu me promettes de ne jamais rien dire à personne. Si les informations que je vais te donner sortent d'ici, je suis mort. Je ne passerai pas par la casse-prison. Tu es le seul capable de révéler ce qu'Augustine fait subir aux porteurs. Tu es le seul en qui j'ai confiance pour aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. D'accord, je veux bien jouer le jeu pour voir. Alors, qu'est-ce qu'il faut? J'ai mis un programme dans ton téléphone. Il te guidera vers mes rapports. Trouve-les, écoute-les bien et continue la lutte. Merde, je dois filer. Ok, c'est quoi ce délire? D'accord. Pourquoi pas? C'est quoi ce délire? Attendez, pourquoi ils me disent de... Voilà. Ah, c'était drainer la fumée, d'accord. Suivre le signal, tu crois que je fais quoi là? Je m'amuse ou quoi? Ah, peut-être là-bas, non? Augustine est le porteur le plus puissant que j'ai jamais vu. Sans compter qu'elle a tous les hommes du DUP pour lui lécher les bottes. Sa mission depuis toujours est de choper les bioterroristes et de jouer la chienne de garde.
Elle le fait si bien que le gouvernement croit ne plus avoir besoin du DUP à présent. Je vais te dire, gamin, je n'aimerais pas être au gouvernement en ce moment. Augustine, c'est le DUP. Dire qu'ils n'ont plus besoin du DUP, c'est dire qu'ils n'ont plus besoin d'Augustine. Et c'est une mauvaise idée. Pire, un baril de poudre prêt à exploser. Et tuer l'étincelle. Ok. Qu'est-ce qu'il a lu? C'est fini. Il est où le mec? J'ai envie de tester le pouvoir là. Alors c'était quoi? C'était. Hein? Et je passe au travers. Fuck! Oulala! Donc j'avais dit 3ème épisode, j'allais mourir. Un petit peu des attaques au corps à corps, ça fait du bien. Je n'ai pas énormément fait. Où est la drogue? Où est la drogue? T'es ça va me refaire comme tout à l'heure ou quoi? Sérieux? Ah d'accord, mais il n'y avait pas de drogue en fait. Ok. Hey, ça va petit? Mec, il a pas rien compris quoi, je l'ai soulevé et tout là. What? Je fais quoi? Hey mec, je fais quoi là? Eh, je vais pas mentir quand même, j'ai fait l'acquisition de pas mal de pouvoirs. D'accord. J'étais en train de dire, ouais, j'ai fait l'acquisition de pas mal de pouvoirs. Et ça me fait un petit peu flipper, ou dans le sens, je me dis que, putain, dès la deuxième vidéo, déjà, je trouve que j'ai vu pas mal de trucs. En ayant fait un minimum de choses quand même, j'ai récupéré que des drones. Donc j'espère que le jeu n'est pas trop court. Après on va voir comment ça se déroule hein, mais donc maintenant il faut à chaque fois activer les missions comme ça. Caméra du DUP. Que dois-je faire? Hello. Je dois démasquer quelqu'un. Ah d'accord, la caméra cachée doit être par là. Ah non, elle est là, quel con. Tu es chéri sur le lampadaire, bien évidemment. Ok, alors on va partir dans la séance du Rafichi. Bien évidemment, on va prendre le bleu. Let's rock. Mort de rire ce truc. Donc si vous savez dans la position que je tiens la manette, c'est juste hallucinant. Je le répète encore, vous tenez la manette sur le côté en fait. C'est juste un truc de fou, je vous jure, il faudrait que je puisse me filmer pour vous montrer comment ça se passe. Donc c'est pas facile du tout à tenir, mais il y a moyen de rigoler quoi. Il y a vraiment moyen de rigoler, je trouve que le concept est vraiment sympathique. J'aime bien ce mot en ce moment, sympathique. C'est... Pourquoi t'as fait un écureuil mec? Alors c'est ton délire, tu fais des écureuils quoi. Pas mal. Ah ça, ils pouvaient pas le dessiner, genre c'est trop chaud quoi. Graffiti terminé, donc du côté bleu, bien évidemment.
Et on est reparti, donc c'est vrai que cette zone va être clean bah, assez rapidement. Hein. On va la finir. Coup téléphonique anonyme. Mais qui est-ce? D'accord, je te rentre dedans, mais c'est ta faute. Y'a pas de soucis, écoute. T'es comme ça, t'es comme ça. Je suis le Batman. Ah non, c'est pas le bon jeu. T'es d'ailleurs, en parlant de Batman là. Attrape! J'ai vu récemment le. Adieu. Le nouveau Arkham Knight, je crois qu'il s'appelle. Je pense qu'il va être énorme là, le rien que j'ai vu les extraits du. J'étais en transe quoi. Je pense que le trois quarts d'entre vous aussi qui sont fans un petit peu de la série, de l'univers, pourront le confirmer. Franchement, je me languis vraiment, vraiment, vraiment ce nouveau Batman. Mais pour l'instant, nous sommes sur Infamous. Ici l'assistance téléphonique du DUP. Avez-vous un incident bioterroriste à signaler? Nous avons eu des problèmes dans le quartier, avec un bioterroriste plutôt beau gosse d'ailleurs. Et il a décidé de vandaliser votre panneau. Veuillez rester en ligne et ne pas bouger, les troupes du DUP vont neutraliser la menace. Je crois que je m'en lasserai jamais. Mort de rire. Let's rock! Ouais, civil blessé, tu veux que je fasse quoi? Oh putain, c'est le bordel! Drain, 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 drain. Non! Faut que je quitte la zone, c'est ça? C'était trop bon! J'avoue que c'est un carnage, quoi. Oh. Drain, drain, mon ami, drain. Oh, il s'est fait un petit rappel. Il est sérieux, lui? Bon, ok, tu veux pas? Eh, c'est un truc de ouf ce qu'il s'est fait, le mec. Oh, putain. Espèce de dindon quoi, aussi qu'est-ce que tu fous mieux quoi. Putain les mecs, c'est incroyable. Mais il n'y a pas déjà 4 secondes de drain de la fumée là? Ah si. Encore un dindon qui s'est remis en haut là. Effectivement, c'est plus facile. Il est ouf. Pourtant, je pensais que. Ah, ouais, si. Parce que. Ah, c'est vraiment stylé le truc du béton quoi, c'est abusé. Oh. Et les effets et tout quoi. Eh mais le mec c'est un tueur quoi. Il est où? C'est bon, t'as fini de t'amuser ou quoi? Espèce de con. Ok, donc je saurais que ces missions sont quand même assez chaudes. Est-ce que je peux drainer là, non?
Ok. Donc ça, c'est une mission que je pourrais faire à volonté. Pour essayer de la faire un petit peu mieux, je pense. Parce que j'ai fait bordel. On va faire le graffiti, pardon. D'abord, avant d'envoyer la suite. Ils sont où mes amis les... Qu'est-ce qu'il est beau gosse ? Ok. T'es sérieux, des petits voyous de merde, ils vont me défoncer ? C'est quoi là? Pourquoi j'ai fait un bond comme ça? Ma foi, bon, écoute, je cherche pas. Oh, fuck. Taios. Ok mon ami le tag, tu es où? Let's rock. Allez c'est parti. Je sais pas ce qu'il est en train de nous faire là. Qu'est-ce que tu vas nous faire encore, Delcine? LOL. Bracadabra. Avec un petit lapin qui sort. On devrait me payer pour ça. Lolilol. Allez hop. Et le seul à pouvoir faire la différence. Mais carrément mon ref. Alors, un agent du dupe s'est mêlé à la foule, utilise sa photo pour trouver. Ok. Donc c'est un Renoir. Tout ça parce que je suis noir. Oh putain, c'est lui. Wow. J'aurais pas dû me faire griller, quel con. Il va aller où comme ça? Eh mais c'est... Stylos? Mais c'est quoi ces missions de ouf là? Oh, je suis tiré sur un mec. Comment il a fait pour passer là-haut? Eh mais en pression le truc, c'est, ça me fait penser à quoi? À l'émission Assassin's Creed là, où le mec il vous fait cavaler comme ça pendant 8 heures là. Oh merde!
plus j'ai pas un truc pour booster ma vitesse ou... Vous voyez ce que je veux dire là? Je suis en galère quoi. La prochaine fois faudrait que je sache que je le bute quoi. Putain quoi. Eh ben. On m'a donné du fil à retordre celui-là. Espèce de chacal. Ah bah allez, nanana, ouais. Ah, même pas ils m'ont vu, hein. Hop, je trace. C'est lol. Ça va. Ça pique. Hop. Dites non à la drogue, non. C'est mauvais pour la santé. Allez, c'est bon, c'est parti. On va attaquer cette seconde zone et en même temps, comme ça, on fera la mission principale. Donc, oh putain, un nouvel agent. Je sens que je vais kiffer ma race encore une fois. Alors, une petite bouche là, s'il vous plaît. Une petite bouche de canalisation, s'il vous plaît. Ok, tout ça qui ne mène nulle part. GG. On peut pas monter sur les murs. Ça serait trop stylé quoi. Ah quoique, il y a moyen peut-être là, tu vois, c'est... Ça veut dire il y a peut-être moyen mec de faire quelque chose ou... Alors. La fameuse mission secrète. Alors la tête qu'il a lui. Alors. Grillé. What? Eh mais mec, t'as vu tout ce que je t'ai mis dans la... Foiré hein. Espèce de chacal, je t'ai vu. Allez, le petit appel téléphonique, de toute façon, c'est tout droit. C'est par ici. Évidemment, il y a des murs partout. Est-ce que je vais pouvoir... Pas du tout, c'est cool. Donc, il y a des zones comme ça qu'on ne peut pas traverser. Évidemment, si on pouvait traverser tout et n'importe quoi, ça serait un truc de ouf. Bon, déjà, qu'on puisse traverser quelques murs, c'est déjà énorme. Salut. Écoute, si tu n'es pas content, je te maîtrise, ok? Puis moi, ça me fait basculer du bon côté. Attendez, les téléphones, les coups de téléphone, c'est pas le... Ouh là là, ça va piquer, quoi. C'est parti. Faites passer le contrôle du jeep. Ah d'accord, ok. Ah ok, pas de problème. Ah, vous êtes comme ça, vous, alors? Bon, je pourrais pas les faire à volonté, ces missions, dommage, parce que c'est vraiment... Un défouloir le truc. Rose bonbon, c'est parti, let's rock. Ok, je suis en train de taguer à l'ouest. Genre il fait l'artiste, un petit peu à gauche, un petit peu. Genre qu'arrose la plante juste en dessous. Hey. Pas mal du tout. Il était où le truc?
Vas-y, Dalcy, nous tenons tes fesses. Ouais, je crois qu'elle est par là. Oh putain. Je dis pas qu'elle est. J'avais l'impression qu'elle fumait de là. Peut-être de là. Yes! Ok. Bon, de toute façon, je vais pas passer dans cette zone. Pour la simple et bonne raison que. Ben. Je n'ai pas encore découvert tout ça. Et je le ferai tranquillement. Prochainement. Le téléphone, je ne peux pas le faire. Mais par contre, le graffiti qui est juste en dessous, je vais pouvoir le faire. Donc, on se rend directement à la mission. D'accord, donc elle est maintenant disponible. Vous me prenez vraiment pour un con, les gars. Non, ça va, vas-y, on va le faire tranquillou. Hop, 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 hop. Évidemment, si je fail mon tir. Ouh là là, j'ai failli le. Ok. Ça c'est bon. Une bonne chose de faite. Allez, c'est parti, on va faire TB. Épisode 1, découverte. Épisode 2, what the fuck. Épisode 3, TB. Oh, fichtre! Un méchant bioterroriste a recouvert ce panneau d'incroyables dessins d'avant-garde. Hop, il faut vite venir nous aider. Bizarre, c'est la deuxième fois en peu de temps qu'un panneau est vandalisé. Nous envoyons les troupes du DUP. Merde, il rigole plus là. Oh. Wow, 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 wow. Ça va, je rigolais. Je rigole tranquille, wesh. Laisse-moi tranquille. Ah d'accord, tu peux voyager, faire un voyage rapide en fait. De là à un autre point, ok, d'accord. Ça sert pas en fait à refaire la mission, ça sert juste à voyager. Ok. Je vais encore tuer un civil, donc... Je suis à la fois dégoûté et à la fois je me dis, mais comment tu peux faire? Il y a un hélicoptère qui se crache. Tu veux faire quoi en fait? M'expliquer un peu le délire ou pas? Donc j'essaye de faire au mieux à chaque fois, mais ça pique un peu quoi. T'inquiète, je vais pas te laisser mourir, mec. T'es ouf quoi? Je suis là pour faire le bien, t'inquiète pas. Ouais, ouais, tranquille. Laisse-moi taffer. Alors, lol, tu peux pas passer ça par contre? D'accord, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, vas-y, je vais taguer un petit coup là. Franchement, ça me fait grave kiffer ce petit truc de tagage. Allez. Je vous l'ai dit, franchement, c'est un truc qu'il fallait vraiment y penser. Ah, d'accord, je croyais que j'avais. Donc certains me diront, ouais, le mec il kiffe, il tague et tout. Mais c'est juste la façon où vous tenez la manette comme une bombe en fait. Pour taguer. Donc vous la tenez inclinée et vous appuyez sur R2. Quand vous appuyez sur le petit Eh, vous m'avez compris, wesh. Ouais, je pars en vrille là. Fais
effectivement, il manque 2-3 trucs. Voilà, je me disais, qu'est-ce qu'il fout le vieux là? Et merci à Alex pour le conseil d'ailleurs de m'avoir dit comment tenir la manette pour taguer, parce que c'est vrai que c'est énorme. Et au final, ça va deux fois plus vite et waouh. Pourquoi abandonner? Non, non, j'abandonne pas, ma gueule. Mon vrai super pouvoir. Il est doué, hein? Très doué. Ok, Reg, je suis devant et t'avais raison. La Needle est recouverte de tout un tas de merde électrique. Et le revêtement en alu, c'est carrément n'importe quoi. Tu vas devoir grimper au sommet de la Needle. Le temps est splendide. Je vais escalader. Hey, non, 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 c'est du délire. Exact. C'est trop délire d'être génial. Il me fait délirer, je vous jure. Le perso, franchement, il a un charisme... De jeune, on va dire. Il me fait vraiment délirer. Et qu'est-ce qui pourrait bien expliquer le fait que je puisse drainer le pouvoir de certains porteurs, genre Hank, par exemple, et pas des autres, comme voyons... allez, disons un de ces chers soldats du DUP. C'est pas vrai, mais il l'a fait, cet abruti. Hey, Reg, commence pas avec « je t'avais prévenu », je voudrais seulement... une réponse. D'accord, j'avais pas vu qu'il y avait l'échelle, excusez-moi. Ça commence un petit peu à monter là. Ah, ils auraient pu faire un truc qui lui fait monter jusqu'en haut du toit. Je croyais que le DUP les avait bloqués au sol. Ben, je pense, hypothétiquement, théoriquement, que tu peux drainer les pouvoirs d'un porteur uniquement s'il les a naturellement. Un porteur zéro, comme Hank, ou j'espère Augustine. C'est d'elle que le DUP a reçu ses faibles pouvoirs. Sans doute pour ça qu'ils peuvent pas les transmettre, même à toi. Donc tu dis qu'il faut continuer comme ça. 5 sur 5. Là, tu me cherches, mais la prochaine fois, plus de mensonges, d'accord? Essaie de faire un peu plus confiance à ton frère. Wow! Avec le petit coup de vent là, c'est juste magique. Regardez-moi ça. Franchement, ils ont assuré quoi, les mecs. Scar Punch Power quoi. Oh. Bon, le saut de l'ange? Oh, c'est encore plus moche vu de l'intérieur. J'ai hâte de défoncer ces trucs. Vraiment stylé, hein. Oh, salut Betty. Je suis à la Space Needle. Oh, alors je te rappellerai plus tard. Ramène un souvenir. Ok, c'est la boutique est ouverte. Ouais, bisous Betty. Au revoir mon grand. J'aimerais bien savoir qui est Betty exactement, qu'est-ce qu'elle représente. Tu piques les yeux. Ah bah je préfère ça. Je suis sur le pont d'observation. Reste prudent surtout. Ok, ça veut dire que ça va piquer. Là, on est en mode Snake. D'accord, pas du tout. Drain et la fumée, ça va pour le moment. Je suis pas. Détends-toi. Bon, ok. On avance et on monte. Continue. T'es presque arrivé en haut. Ok, c'est maintenant qu'on crève l'œil de la Needle. C'est sans doute ça qui fait tenir le tout. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, je t'avais encore jamais vu, toi. Reg, c'est carrément une armée qu'ils ont ici. Bien. Au bon endroit. Ou alors, ils aiment vraiment pas que les autres s'amusent avec leur truc. Allez, c'est pas le moment, Delphine. Est-ce que tu vois un moyen de couper les communications? Ouais, ouais, y a une sorte d'encre. On dirait que ça maintient toutes les antennes en place.
Wow, 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 wow. Ça risque de piquer là, les gars. Premier gros combat. Je vais bien trop être à court. Je vais vite drainer un petit peu. Oh là là, stylé. Vraiment gros gros gros. Je vais pas dire gros gros combat, mais c'est vraiment grave, je trouve. Oh là là, ils font super mal. Je l'avais dit que j'allais mourir dans la troisième vidéo et c'est fait. Donc chose dit, je vous l'ai promis, je l'ai fait, hein, voilà. C'est le mec. Donc, est-ce qu'on peut redescendre par là ou on peut redescendre? Je vais essayer de vite les débarrasser de, on va dire, des petits. Parce que lui il pique, hein. Lui il pique vraiment. Je vais faire que ça en fait, je crois. Oh, il commence à me casser la tête. Reste là, bébé. Ok, il est où l'autre? Je tire un peu de partout. On sait jamais si ça touche. Eh, mais je peux pas les... Je rêve ou quoi? Qui maîtrise. Ça pique ou pas? Ça pique, hein? Je veux en ligne de mire. C'est moi qui t'ai en ligne de mire, chacal. Ça ou tes copines? J'étais venu pour ça à la base, moi, non? Bon, maintenant on va trouver. Ça pourra le couper. J'ai jamais eu de problème en me servant de nouveaux pouvoirs. Ah, il parlait de ça, le coquin. Ah, ça, ça promet d'être épique. Hein? C'est pas si dur. Ça, tu trouves pas ça mieux? Compteur de chaîne de karma bénéfique. Continue une chaîne de karma, maîtrisant les ennemis blessés, civils. Une frappe orbitale, quoi. Carrément, le truc, c'est. Oh, quel trip! Jetez la rampe. Neutraliser leur centre de com, c'est tout. Ils sont peut-être sourds, mais ils sont pas débiles.
Ça va prendre un bout de temps de virer tout le DUP de Seattle. Et on vient d'arriver. Ouais, tu sais ce qu'on dit. Les plus grands voyages commencent tous par un petit coup de pied au cul. Qui dit ça? Des gens. Les Chinois. Hey Reg, tu vois quelque chose d'en bas? Tu déconnes? Je parie qu'on te voit depuis Portland. Je veux que le DUP sache que je suis là. C'est qui celui-là? C'est pas un des trois fugitifs? Énorme les gars, franchement. Énorme, j'ai grave grave kiffé. Le saut en l'air comme ça, la frappe orbitale, mais c'est dinguerie le truc. Genre il fait un petit sourire et tout, genre bim. N'importe quoi, c'est un truc de fou. Je kiffe. J'ai que deux fragments. What? C'est quoi ce délire? J'ai tout usé? Ils sont passés où? Non, c'est quoi ce délire? En fait, j'ai rien utilisé. Je sais pas. L'homme au drapeau s'est fait la malle avant que les renforts du DUP. Nelson, j'ai posé 2-3 questions sur les bioterroristes en cavale et... Hey Reg, tu crois pas qu'il me faudrait un agent? Tu dérailles complètement, mon petit. Bah, les gens commencent à m'appeler l'homme au drapeau et franchement, je trouve ça complètement foireux. C'est peut-être pas la meilleure idée que tu traînes autour de la Space Needle en ce moment. Bah, je veux dire, pourquoi pas Fantastique Fumée? Ou juste le fumeur, simplement. Écoute, de mon côté, je vais continuer à me rencarder sur les bioterroristes en cavale. Ce qui serait pas mal, c'est que toi, tu perturbes d'autres opérations du DUP en attendant que je te rappelle. Repousser le DUP au-delà de la ville quartier, hein, réduire le contrôle, terminant l'émission. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire, en fait. Le mec, il me dit des trucs que je suis en train de déjà faire depuis le début du jeu, en fait. C'est fini. Mais y'a pas de problème, hein, je t'en veux pas, mec. Ah non, ça c'est un civil. Hey, sauve-toi. Donc j'ai la frappe orbitale qui est ready. Qu'est-ce qu'on va faire sauter, mon ami? J'aimerais bien faire une mission. Le dossier, je l'avais pas fait. Il va falloir que je fasse le dossier tout de suite. Alors, qu'est-ce que je fais, mec? Boum! Wow, 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 me rentre pas dedans, toi. Putain, t'imagines, t'as un pouvoir comme ça dans la vraie vie, mec. Oh, le délire, mon gars. Ok, j'imagine qu'il va falloir toujours monter, monter, monter. Alors, où est le dernier étage, s'il vous plaît? Me dis pas que la frappe... Au bout d'un moment, du coup, elle a diminué, quoi. S'il vous plaît. Alors, dossier, où es-tu? Oh non. En fait, il était pas au sommet. Si je te fais une frappe orbitale dans les fesses là, tu vas le sentir de suite là ou... D'accord, il était tout en bas, mais c'est pas grave. J'ai peut-être une piste sur un des bioterroristes qui s'est échappé de l'accident de bus. Envoie la sauce. Je suis encore à la gare, c'est pas idéal pour parler. Je te retrouve à l'angle de la 4ème et de Vickers.
Je perds le signal, je perds le signal, je répète. Wesh, c'est sérieux là? Oh putain. Wow, il a défoncé la femme! Je crois que cette fois-ci les headshots ça marche vraiment. Ouais c'est sympa de pitcher mon gars. Il va falloir peut-être que je remonte en haut en fait, tout compte fait. Non ? On va tester hein. Peut-être rien à voir encore une fois mais Putain j'étais tout pris en plus quoi. Et le mec il court avec son téléphone comme un débile. J'aime bien ces petits messages. Je kiffe. Donc 0, 0. Ah là là, que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Alors la troisième. Oh putain, elle se trouve tout là-bas. Ok, mais il va falloir plusieurs épisodes pour arriver à cette mission. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va passer par là? Pourquoi pas? Le DIP est par ici. Allez, commençons directement par une mission poste de scan. Allez, on va s'amuser. Allez. Pas tant timide. Je pense que d'ici là, j'aurai acquéri le troisième level. Level 3. J'adore ce jeu, c'est un truc de fou quoi. Ça vous donne vraiment, vraiment... une putain de liberté de jeu quoi, c'est juste énorme. C'est ça que j'aime dans ce style de jeu. Wow 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 wow. Ah ça y est lui, il va y aller tout le temps lui. Les cousins, tu te calmes ou... Ok. Ok. What? Oh le bâtard. Ah j'ai plus de missiles, j'ai plus rien. Oh putain j'avais pas vu. Il est là hein. Wow wow, ah ouais toi aussi tu fais le genre le mec comme ça. Attends j'arrive. Je draine juste un petit peu ton pot d'échappement. Ah tout ça. Merde. Et c'est normal, je t'enfuis mec.
Eh mais lui, c'est une gros... C'est une sauterelle, le truc. Troll bâtard. Tu vas t'arrêter de sauter. Espèce de chacal. Oh oh. Bon, ils sont pas là, tant mieux. Nous, on va aller un petit peu faire du graffiti. C'est vraiment de l'art, le graphe, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas le graphe, ça n'a rien à voir avec les tags tout pété comme vous voyez à Marseille. Il y en a qui font vraiment du bon travail. Il y a même des expositions et tout. C'est vraiment de l'art pour moi, le graffiti. C'est juste énorme. Ça va les faire réagir. LOL. Je pensais à ça en plus, les gens non, ils vont pas faire ça. Mais... What? Oh, laisse-moi. Donc, pour toutes les personnes qui se disent putain, pourquoi il utilise pas son pouvoir? Pourquoi il utilise pas son pouvoir? Parce que je préfère l'utiliser vraiment sur des grosses personnes. Là, je pense que ça vaut pas trop la peine d'utiliser le... Le bordel pour des petites troupes comme ça là. Et le sniper de mes deux là. Un pancuro. Ah d'accord, en fait tu peux faire tout mais tu peux pas sauter jusqu'à là, ok. Mais c'est pas grave, mec, je t'en veux pas. Comment je fais pour monter? Ah mais c'est un truc de dingue. Bon, mais ok, ça va. Bon, mais de toute façon, je vais pas m'attarder à chaque fois à taper tous les mobs, hein. Et là, je vais trouver une trappe qui va me mener en haut. Non. Si. Et je vais les défoncer. Je suis pas un peu contradictoire dans ce que je dis, non? Oups, toi je t'ai achevé. Toi aussi. Ok. Oh le bâtard quoi. Genre ici quoi. Badaboom. Hey. What's up man? Wow. Oh c'est TB je vous jure. Oh. Ça va, et toi, ça va? C'est pas moi qui fais ça, hein. Je pars vite en courant. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que tu fais, toi? On va vite essayer de refaire monter la jauge. Ils sont où? En fait, ça remonte tard, bien vite la jauge. C'est un truc de ouf, vous pouvez le spammer presque le truc. Juste ajouter ces boules là.
Encore un et c'est bon. Voilà. Oh là là, c'est un truc de ouf. Et cette frappe, je vais la spammer. Oh putain. Ah ouais, du coup, j'ai fait TB. Oh, énorme. Le bien qui tue le mal. Énorme, même sur lui, vous voyez que derrière, sur sa veste, il a le petit dessin là. Par contre, je n'ai plus beaucoup de fragments. J'en ai actuellement 4 sur moi. Niveau 4, d'accord, ok. Évidemment, ça demande 6, 2. Y'a rien qui demande 1. Ok, énorme. Il va falloir que je me mette en quête de drone. En quête de drone. Alors, ça va se passer par où? Ça va se passer par là. On va voir si on peut péter comme ça à partir du milieu. Lol, le mec il fait TB. Salut. Il est où? Ok. Il est con ou... Tu vois, j'aurais été méchant, j'aurais fait péter lui. Hein ? Demandez pas pourquoi. Alors. Par ici, ça dit quoi ? Regardez quand même que je débloque un petit peu. Ah, je vais faire le DUP. Hein. Obligao. On est parti. Hein. C'est quoi ce tour ? Je peux la péter ? Oui. Hey, mais t'es pas sérieux. Le mec, on aurait dit qu'il m'attendait quoi. Ok. Donc là, il y a des caméras. C'est quoi ça? Okay. Ouais, je préfère rester un petit peu sur le toit, juste histoire de vider un petit peu les chargeurs là. Parce que je sais qu'il y en a qui vont... Voilà. Je savais. Comme ça, je draine direct. Je fais un petit peu le taf. On dirait qu'il me repousse le bordel. Oh, c'est quoi ce truc? Et ça me tire dans tous les sens. Waouh. Ça pique hein. Deuxième mort. Putain, ça pique quoi. Oh. Putain, ils font super mal en fait. Bon, ils m'ont ramené où? À Seattle? Pourquoi Seattle?
Bon, faut que j'arrive à maîtriser ce truc là-bas là, ça commence à douiller là. Je pense que dès que j'arriverai à passer ici, on arrêtera ce troisième épisode. Ok, pas mal. Eh, t'as pas été pris dedans? Ah. C'est quoi ce bordel? T'as une souffleteuse de ouf là à faire. Cette ville en a assez d'être sous surveillance. Là, il essaie de me défoncer, mais je suis en haut, tu sais. Mort de rire. Allez, salut. Non, par contre, si je descends. What? Ouais, j'avais pas vu. Oh non, j'ai détruit l'enclos. Oh non. Ça, c'est pas cool, ça. À vouloir faire bordel à chaque fois, voilà. J'espère que je vais pas faire le con. On va essayer de passer par là. Tu te rends? Moi je te maîtrise. Allez, laisse-moi faire mon attaque de ouf là, bordel. Yes! Yes! Non! Ou pas? Eh, monde de chacal. Tu m'étonnes que tu te rends, toi. Regarde-les, tous les deux, ils partent en courant. Mais pars pas, mon ami. Où tu vas, toi? Et lui, non. Ouais, ils sont sérieux, man. Mais voilà, la deuxième fois était la bonne. Good. Ça c'est bon ça. À profiter. Parce que lui il y avait le gros Golgoth là. Allez, on finit vite fait ça. 32-2. Et après on va arrêter ce troisième épisode.
Parce qu'après les vidéos d'une heure, quand je vais faire le rendu en 1080p, ça va piquer. Mais quand je vous dis ça va piquer, ça va piquer. Quand je vais mettre plus de 3h30 pour faire le rendu d'une vidéo, je vais rigoler. Hein. Ah. Fais même taguer le petit là-bas au fond là. Il ne plaisait pas sa tête. Monde, admire mon œuvre et son message. Énorme. Bon, écoutez les oiseaux, moi je vais m'arrêter ici. Je vous remercie encore d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à très très bientôt pour la suite sur Infamous Second Son. Ouais, putain, j'arrivais pas à monter. Donc, moi, ouais, bah, c'est toujours pareil. Je vous dis à très très bientôt. Merci d'avoir regardé encore l'épisode. A bientôt sur la Noctu. Allez, c'était Parano. Peace. Ah, mais wesh, qu'est-ce qu'il a? Il arrive pas à... Oh, le bug, mon frère. Oh non, il aime pas ce bus. Bon, ça y est, on y arrive. Truc de malade. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Allez, peace.